Shalom Alechem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar Lashonara, la porte de Lashonara. Il me dit le Rav, ça peut être varim, shikormi mezek le chavero, en begufo, en bemamono, afilu le atzer, lo, o le afrido, areze Lashonara. Veaomer, davar la chavero, asso le galoto, belo reshuto, kol shenema, bifne shlosha, az ou kemo yadoua la kol. Il dit le Rav, un homme que lui qui raconte la Shonara, ou par exemple, qu'il fait un dommage à son ami, ou si c'est un dommage de physique, ou c'est un dommage de l'argent, il lui fait perdre de l'argent, ou par exemple, il veut lui faire peur, ou il veut lui faire de la peine. Ça s'appelle la Shonara, même pour lui faire peur. Mais il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne une fois pour toutes, il comprend, hein, comme ça il ne faut pas de bêtises. Mais c'est la Shonara quand même. Le bonhomme qui l'a causé, hein, que ça, une perte à son prochain. Un homme que lui dit, il raconte quelque chose à son ami. On n'a pas le droit de transmettre, dévoiler cette chose-là, sans sa permission. C'est fréquent, fréquent, fréquent. Une femme, elle raconte à sa copine. Et maintenant, cette copine, elle va sur son mari. Ouais, tu vois, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, tu vois, par exemple, c'est connu. Une fois, il y a deux copines qui sont mamaches, des copines d'enfance. D'enfance. Elle grandit avec elle. Et Baruch Hashem, ils se marient une après l'autre. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Personne ne voit, personne ne le sait. Eh bien, sa copine, tu sais, on dit Mazal Tov. Il dit maintenant, si elle va dire à son mari, il faut savoir, c'est la Shonara, elle n'a pas le droit. Elle se confie vers elle, maintenant elle n'a pas le droit maintenant de raconter même à son mari. Seulement si mieux chez Toelet. Par exemple, il y a quelque chose entre voisins, hein, et maintenant cette femme-là, maintenant, elle vient vers son mari, elle dit à son mari, écoute, je ne sais pas comment, quoi faire, aide-moi, ça c'est ma chouarère, ça c'est autre chose ça. Mais si maintenant elle vient rien que pour les galottes sodes, sans sa permission, tu n'as pas le droit de raconter un secret. Mais maintenant, si c'était dit par, devant trois personnes, ça s'appelle Béapetlata, devant trois personnes. Alors ça, c'est considéré comme c'est déjà connu. Puisque c'est connu, alors il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, lui, il dit, écoute, on a trois, quatre personnes ici. C'est d'ailleurs, ça va se propager plus tard. Mais moi, je veux encore plus. Je veux que envoyer les WhatsApp dans tout le monde, comme ça, Ken. Et nous dit le rap. Ça c'est considéré comme la Shonara, même que trois personnes le sait. Alors il faut savoir, la halakha elle dit, s'il y a trois personnes qui le sait, c'est considéré que tout le monde le sait. Mais là maintenant, lui, il veut propager encore plus. Il veut, tu as vu comment il a dit ce député là? Les journaux, qu'est-ce qu'ils font les journaux? Les journaux, ils sont remplis du matin au soir, rien que de la Shonara. Et maintenant, le bonhomme, lui, il est Messaya Beobri Avera. Quand tu lis maintenant ce journal-là, c'est pas évident d'accepter maintenant la Shonara. Tu peux peut-être lire et tu dis non, j'accepte pas, je suis Rochesh. Rochesh, ça veut dire je crains. Mais de ou par exemple, quelqu'un qui étudie, il écoute la télévision, que c'est pas trop conseillé d'entendre toutes ces informations-là, tout cela, hein, il parle de l'autre, etc. T'as pas le droit d'accepter maintenant, qu'est-ce qu'il parle de maintenant, de ce député-là, etc. Quand tu écoutes maintenant, là, tu écoutes le Lashon Hara. Ah, tout le monde le sait. Mais non, eux, ils veulent quoi? Ils veulent propager encore plus ce Lashon Hara. Là, c'est pas bien. Yes, bon, Michou, Lashon Hara, Shébéim, Aomer, Izir, Hashomim, Velchelo, Egalou. C'est maintenant un homme que lui qui dit à un groupe, par exemple, écoutez, même trois personnes. Il dit, écoutez, moi, je vous demande de ne pas parler à personne. Ça veut dire qu'il y a trois personnes qui le sait. Alors, soi-disant, on va dire que ça s'appelle, que ça peut se propager. Là, c'est pas propagé. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il dit
aux 3, 4, 5 personnes, écoute, je vous demande de ne pas dire à personne. Même que si maintenant il y a plus que 3 personnes, c'est considéré comme la Lashon Hara. Il y avait un maasé, qu'il y avait un talmid, un élève, Ken, que lui, après 22 ans qu'il a entendu quelque chose, 22 ans, Ken, après 22 ans, il a parlé, il a dévoilé. Ils l'ont sorti du Beit HaMidrash et ils ont dit que lui, c'est Mégalé Sodot. Lui, il dévoile les secrets. Shem Yishmor, qu'est-ce qui s'est passé avec? Même quand ça s'est passé pour Amisel, quelque chose de positif, on a déjà raconté cela avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il était obligé de se sauver de la royauté. Comment et à cause de quoi il s'est sauvé? Il y a un Talmid que lui, il a parlé chez lui à la maison, ou il a parlé avec ses amis. Et tu as vu qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai sur les Romains? Qu'est-ce qu'ils font? Lui, quand il parlait, mais Sir Lefitoumo, il parlait selon. C'est fréquent. Sans mauvaise intention, même sans mauvaise intention. Mais j'ai rien dit de mal. J'ai rien dit de mal. Regarde ce qui s'est passé. Qu'ils ont pris Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont voulu le tuer. Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils Rabbi Elazar, ils se sont sauvés. Oui, ils se sont sauvés. Après, il est là-bas dans une grotte. Ils sont cassés pendant 12 ans, plus un an. C'est 3, 13 ans en tout. À cause de quoi? À cause que quelqu'un qui l'a rapporté, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que l'attention de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Tous les Romains, tout ce qu'ils font, c'est rien que pour leur kavod à eux, pour leur honneur à eux. Mais sans plus. Il nous dit le Rav, Veod Yeshavera Achad Aniket Rechilut. Il y en a encore une autre Vera par la Shonara, que ça aussi, ça s'appelle Rechilut. Rechilut, c'est le rapporté. Eze ou Achil, qu'est-ce que c'est Achil? Ze, Sheoler, Mize, Laze, Veomer, Kar, Vekar, Shamati, Alploni. Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il y en a des gens qui ont le truc là, et quand ils vont vendre un stand. Ça s'appelle Rochel, Afkat Rochel. Parce que Rochel, c'est un vendeur, il a un petit truc en face de lui, un petit carré là, comme ça, un petit stand, et il vend là-bas. Okay, des paquets de cigarettes comme avant, et où ils vendaient par exemple des lacets, des boutons, des fils, des aiguilles, etc. Alors il va de l'un à l'autre, vous voulez acheter peut-être une cigarette, vous voulez acheter un briquet, ça s'appelle Rochel. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'une personne à l'autre. Maintenant le Rachil, c'est un Rochel aussi, c'est un vendeur. Mais qu'est-ce qu'il vend ce moment-là? Il vend des paroles. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait celui-là? T'as vu qu'est-ce qu'il a entendu hier? Et il va de personne à personne. Ça s'appelle Rochel. La Torah, elle a dit, le Télé Rachim et Améra, Zé Sheolech Mizel Azé, qu'il va d'un autre à l'autre. Et il dit, Kar Vekar Shamati Alploni. Ainsi, j'ai entendu de telle et telle personne. Afal Pishu Emet, même que c'est la vérité. Are U Machrib et Aolam. Il est considéré qu'il détruit le monde. Et la Torah c'est écrit, on n'a pas le droit de comporter dans notre peuple. Et qu'est-ce que ça veut dire Rechilut? Il nous dit le Rav Amgalel Chaverot Varim Shidibru Bemenom Seter. Que lui, il dévoile à son prochain, à quelqu'un, des paroles qu'il a entendues en cachette. D'où on sait que le Dayan lui-même, il n'a pas le droit de dire quoi? Tu sais, j'étais maintenant parmi les juges. Mais moi, je pense pas comme les trois juges, les autres deux juges. Alors, en général, les juges, ils sont trois. Pourquoi ils sont trois? Parce que si on a deux qui pensent positives, il pense négative, au moins il y a deux contre un, et puis là, la chai va être comme les deux. Pour qu'il y a toujours une majorité. Si les trois ils pensent que positive, alors ça va.
Ou les trois, ils pensent négatives, alors ça va. Mais il faut tout le temps avoir un pair pour pencher, okay, ou d'un côté ou de l'autre. Alors maintenant, il me dit, d'où on sait que un Dayan, il n'a pas le droit de dire ainsi. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de dénoncer? Tu sais, moi, c'est malgré moi, j'étais obligé, on était obligé de trancher contre toi, parce que mes amis, eux, ils t'ont été méhayev, ils t'ont accusé, t'ont rendu coupable. Mais moi, non. Qu'est-ce que je vais faire que mes amis, ils sont plus que moi, maintenant ils sont deux. La reine est malotée, c'est pour cela que la Torah te dit, même toi, Dayan, même que tu veux maintenant te faire beau devant ce bonhomme-là, tu lui dis, qu'est-ce que je vais faire, Ken? Comme ça qu'il te prend en considération, il te dit, voilà, maintenant, t'as vu, celui-là, ce Dayan-là, il était pour moi, quand même. T'as pas le droit, toi, Dayan, de dire ainsi. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah, t'as pas le droit d'y aller et comporter dans ton peuple. Il nous dit, le Rav, faites très attention dans le Lashon Hara. Parce que quand un homme, lui, il parle Lashon Hara, maintenant, c'est aujourd'hui, ça va vite, ça va vite. La parole, elle va vite. À plus forte raison, quand maintenant, il y a les portables, quand il y a les WhatsApp, quand tous ces trucs-là, c'est un Nissayon de Sodor, il est très grave. Avant, okay, pour que tout le monde le chasse, il fallait beaucoup de temps. C'était rien que dans la région, dans le quartier. Aujourd'hui, ça va vite. On peut construire comme on peut détruire très vite. C'est pour cela, un homme, il faut faire très attention dans la Lashon Hara, peser ses mots. Il nous dit le Rav qu'un homme, que lui, quand il fait la Lashon Hara, il est mevayes, il fait honte à soi-même. Parce qu'un homme que lui, qu'il est possède, possède, ça veut dire qu'il est. En français, c'est un peu difficile, possède, ça veut dire qu'il est. Il annule quelqu'un. Il annule quelqu'un ou qu'il annule quelque chose. Alors lui-même, il est annulé. Quoi la possède? Des bouveaux possèdent. Hachamim nous ont dit, il faut savoir une chose. Quelque chose d'extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, il a fait. Quoi la possède, des bouveaux possèdent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout un homme que lui, qui les possède, qui rend quelque chose qu'il est pas bien, qui pas apte, pas bien. Ça veut dire que lui, il se rend pas apte à lui-même. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, lui, comme il nous a créés, il sait que l'homme, il a des points négatifs. Comment il pourra savoir ses points négatifs? Ça, c'est Halakha. Halakha, la Gemara raconte. Comme voilà maintenant, bientôt c'est Hanouka. Et la Gemara raconte qu'il y avait un homme qui partait dans le chouk pour acheter de la viande. Et il prenait la place de tout le monde. Non, moi et lui, il voulait acheter avant tout le monde. Et il appelait à tout le monde Eved. Eved, Eved, c'est quoi Eved? Esclave. Eh, pousse-toi, esclave. Pousse-toi, esclave. C'est pas ta place, ça, maintenant. C'est à moi le tour. Et voici qu'il est venu Rav Yehuda. C'était l'élève de Rav. Et ce bonhomme-là, il a appelé à Rav Yehuda Eved. Esclave. Okay. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rav Yehuda? Il a dit, toi tu es esclave. Moi je suis esclave, toi tu es esclave. Lui, il s'est mis en colère, ce bonhomme-là. Il est parti chez Rav Nachman. Il a convoqué, il a dit à Rav Nachman, comment ce bonhomme-là maintenant, Rav Yehuda, il m'a appelé Eved. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Nachman? Il a interpellé Rav Yehuda. Il dit, viens Rav Yehuda, il a envoyé un télégramme. Je veux que toi, Rav Yehuda, tu t'y arrives. Où? À son bureau. Voici que Rav Yehuda, il arrive. Et lui, Rav Nachman, il ne connaissait pas encore Rav Yehuda. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux?
Il dit, voilà, tu... Il lui commençait à poser des questions de ce nom-là, Alaha. Regarde, il y a ma femme qui va venir. Elle a dit, alors Rabbi Yehuda, il a répondu, il a dit, Amar Shmuel, En Mishtamshim Be'isha Klal. Il a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, au nom de Shmuel, on n'a pas le droit d'utiliser une femme, que maintenant elle va te servir le café, elle va te servir maintenant le thé, elle va te donner du sucre. Alors, top, il a dit, d'accord. Etc., etc. Suite à des halakhot et tout cela, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il faisait? Soi-disant, il répondait au nom de Shmuel et réprimandait, selon les halakhot, à Rav Nachman, c'était le gadol. Parce que Rabbi Yehuda, il était très, très, très compétable et très, très, très costaud dans la halakha. Et voici la femme de Rav Nachman, elle a dit, vite, donne-lui qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il va te faire honte devant tout le monde ici. Alors Rav Nachman, il a dit à Rav Yehuda, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, qu'est-ce que je veux? Je veux rien, c'est toi que tu m'as convoqué. Alors il dit, moi je t'ai convoqué, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as appelé maintenant à ce bonhomme Eved? Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav de Shmuel. Il dit, Shmuel, notre maître, il nous a dit, qu'on la possède, ben moumo possède. Un homme que lui qui néglige, il dit à un qu'il est pas saoul. Par exemple, il dit, tu es un voleur. Ça veut dire que toi, tu es un voleur aussi. Vérifie, viens, viens, vite, vite, bien, bien, au fond de toi, tu vas trouver que vraiment, tu voles peut-être quelque chose. Pas peut-être pas forcément de l'argent. Peut-être tu voles, par exemple, le date, la conscience de ton prochain. Peut-être tu voles, par exemple, le sommeil de ton prochain, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un chesed. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait une bonté. Quand toi, comme ce bonhomme-là maintenant, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rabbi Yehuda, il a dit à Shmuel, il a dit à Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, moi j'ai un clade dans le nom de Shmuel, un homme qui néglige son prochain, il dit que lui qu'il est Eved, ça veut dire que lui qu'il est Eved. Lui il dit à tout le monde maintenant ce bonhomme-là que tous ils sont des esclaves, ça veut dire que lui c'est des esclaves. Il a dit comment tu peux dire une chose pareille? Il dit regarde, parce que j'ai une Kabbalah. Que des Hashmonaïm, ils sont restés personne. Tous les Hashmonaïm, ils ont été morts. Qui c'est qui est resté? La dernière, Hordus, lui, Hordus, il a tué tous les Hashmonaïm. Il restait rien qu'une parce qu'il voulait se marier avec elle comme ça. Maintenant, sa descendance, c'est la descendance des rois. Comme les Hashmonaïm, c'était des rois. Alors, il voulait se marier quand, en fin de compte, c'était Ahouyounouka, elle dit la Gemara. Cette fille, cette petite fille, elle est montée sur le toit. Et elle a dit, avant de se jeter du toit, elle a dit, écoutez bien tout le monde, personne n'y reste des Hashmonaïm. Et elle s'est jetée. En fin de compte, ce bonhomme-là maintenant, il dit que lui, il vient des Hashmonaïm. En fin de compte, il vient pas des Hashmonaïm. Lui, c'est un esclave des Hashmonaïm. Et c'était vraiment, ils ont cherché, ils ont trouvé que c'était un esclave des Hashmonaïm, ce bonhomme-là. Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait chesed. Pourquoi il nous a fait chesed? Si maintenant toi tu parles trop contre les autres, ça veut dire que toi le côté négatif il est en toi aussi. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Quand tu dis que ce bonhomme lui c'est un voleur, quand tu dis c'est un menteur, quand tu dis et tu arrêtes pas, et tu arrêtes pas, tu arrêtes pas tout le temps de dire cela, ça veut dire qu'en toi il y a quelque chose que tu dois réparer. Des fois c'est dans la finesse. Ces fois c'est dans la finesse. C'est au bonhomme à chercher. Et Akadosh Baruch Hu il a fait cela. Parce qu'un homme, Karov et Selatsmo, Karov et Selatsmo, un homme, lui, il est très proche à soi-même. Il est tellement très proche qu'il peut pas, il se voit pas. Il voit pas ses défauts. Même qu'il se voit devant la glace, il dit, voilà, ouais, je suis beau. Mais il y en a des gens qui vont, ils sont négatifs. Ils voient du point négatif. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur côté négatif. Quel est le côté négatif? Il dit, moi, je suis affreux. Regarde mes yeux que j'ai les os tordus. Regarde mes oreilles, comment ils sont mes oreilles. Ça veut dire que c'est la gaava qu'elle parle. La chifloute. C'est quoi la chifloute? De se rabaisser. C'est la gaava. La gaava, elle peut y aller. La gaava, ça veut dire l'orgueil. Ça peut y aller dans les deux sens. Ça peut y aller dans un sens que le bonhomme, là, il est là. Il se fait entendre. Il se fait voir. C'est lui qui parle tout le temps. Mais ça peut aussi interpeller. L'autre côté, il est chafel, il est très humble, etc. Il se voit très négatif. Moi, je suis rien, moi, je ne vaux rien. Et des fois, s'il va bien, bien, bien chercher, il va trouver que ça, c'est la gaba.
C'est très délicat à savoir et à voir vraiment la vérité. Il faut que le bonhomme qui se connaît, il faut qu'il est tout le temps avec son rave. Que son rave, lui, maintenant, il regarde dans le détail quand un homme, lui, maintenant, il veut travailler son orgueil, etc. Il faut faire attention. Là, on parle positivement, on parle pas négativement. C'est pas un homme que lui, maintenant, il dit, voilà, je suis un imbécile, un espèce d'orgueilleux, je ne vaux rien. Non, c'est pas ça. Non. Un homme que lui qui veut avancer, il veut se travailler. En premier, il faut qu'il fait un bilan. Qui moi je suis? Quel est mes midot? Quel est mes caractères? Quel est mon caractère? Il fait un plan. Il connaît en premier les côtés positifs qu'il a et les côtés négatifs qu'il a. En premier. Et il se regarde. Il regarde. Waouh! Et il met en premier les côtés négatifs qu'il a, il les met de côté, il les cache. Pourquoi? Que s'il va commencer à travailler les côtés négatifs, il n'aura pas des forces, pourra pas travailler. Il faut qu'en premier qu'il dise, moi, Baruch HaShem, voilà, j'ai telle et telle mida, telle et telle mesure, telle et telle qualité, telle et telle qualité, etc. Voilà, je suis un bon juif. Baruch HaShem, je me lève tous les jours, je vais à la tefila, celui-là qui se lève pas tous les jours, et moi, Baruch HaShem, j'ai une barbe, j'ai une kippa, etc. Baruch HaShem, en premier, positif. Après qu'il est en bonne santé, après qu'il est costaud, alors là, comme lui, il sait déjà ses côtés négatifs, là, il va commencer à dire, ah, ça, je vais essayer de travailler. Comment je vais travailler? Seul, on ne peut pas. Il faut tout le temps être conseillé avec son rave. Son rave, il se connaît. Il le connaît très bien. Comment gérer ses midot, ses mesures, ses qualités. Un homme, il n'a pas le droit de travailler sur une mida. Sur une qualité, tant que maintenant il va pas vers son rave, que le rave il lui dit comment travailler. Parce qu'un homme il va se casser la figure. De nos jours, ça commence presque même pas de travailler. Seulement si un homme, lui, il est dans la Torah, il étudie la Torah, il peut faire des petits exercices là. Comment par exemple? Il y en a qui parlent beaucoup. Petit truc, 5 minutes par jour, il fait Tani Dibou. Il parle pas. Il parle par exemple la Shonara. 5 minutes par jour, il fait pas la Shonara. Par exemple, essayer de parler de positif. Alors doucement, doucement, quand il parle positif, il va commencer à changer ses paroles. Quel est le problème que le bonhomme, lui, il parle Lachonara? Lachonara, c'est quoi? C'est le côté négatif. Par exemple, quelqu'un qui a donné un chidouche. Dans la grammaire, c'est écrit, il y a Mila'el et Mila. Okay? Mila'el. Mila'el, ça veut dire on met le poing en l'air. Ça veut dire ba, comme c'est écrit dans la Torah, Ve'arachel ba, imatzon. Milra, c'est quoi? C'est tu mets le poing après. Ba, ça veut dire tu mets le poing à la fin du mot. D'accord? L'intonation à la fin du mot. Ok? Ve'samtem, ça veut dire le poing, tem. D'accord? Et que ça s'appelle comment? Milra. Et Kadosh Baruch Hu nous fait une allusion. Qu'est-ce que ça veut dire ra? Ra, c'est quelqu'un qui met le ton à la fin. Il donne, il est tout le temps là, il fait tout son, il se fait entendre. Ça, c'est ra. Il y a les côtés négatifs, il y a les côtés positifs. Un homme que lui, qu'à chaque fois, il se fait entendre, il voit les côtés qui sont négatifs et il met le point. Et ça, c'est ra. Un homme qui met le poing, ça c'est rare. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, il faut qu'il prend là, il doit y aller vers le côté. L'autre côté, c'est quoi? De voir les choses positives. Même que quand tu regardes, la première chose quand tu vois, c'est quelque chose de négatif. Voilà, tu regardes quelque chose, tu regardes quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Par exemple, un homme dit, waouh, comment le temps il est mauvais. Ça vient d'où ça? Tu parles la Shonara sur le temps, sur Akadosh Baruch Hu maintenant. Les gens ne savent pas ça. On ne dit pas le temps il est mauvais. Le temps il pleut. C'est bien la pluie. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on change de langage. Je peux dire la même chose, mais au lieu de dire c'est négatif, je dis positif. Ok? Etc., etc., on essaie de dire dans tout dans le monde
le côté positif. Il y a des choses que c'est négatif, que c'est vadaï, que c'est négatif, on ne peut pas changer. Quelqu'un qui tue quelqu'un, on ne dit pas maintenant, mais comment, et on ne peut pas voir quelque chose qui est positif dans cela. C'est négatif, d'accord? Mais la majorité du temps, on essaie de voir les choses positivement et de dire positivement Hachem Yizakenu.